Bonjour à tous et bienvenue dans le Paddock Pass. Nous nous retrouvons pour la manche inaugurale du championnat de Formule 1 2021. Et je dois vous l'avouer, c'est super d'être de retour. Il y a comme un air de rentrée des classes en arrivant dans le paddock. Mais c'est surtout une bouffée d'air frais et une sensation de normalité dans un monde qui, à par moments, semblait être un tantinet surréaliste ces derniers temps. Nous étions censés voir notre lot de changements avec une nouvelle réglementation cette saison, mais comme vous le savez, elle a été repoussée et les écuries ont donc une chance supplémentaire pour prouver de quoi elles sont capables dans cette ère de la Formule 1. Les pilotes auront, comme d'habitude, pour objectif d'aller chercher des points pour l'écurie. Et les voitures qu'ils pilotent cette année sont très proches de celles de l'année dernière. Si le succès est au rendez-vous, ils n'hésiteront pas à s'attribuer le mérite et pourront mettre en avant tout leur talent. Mais ceci est à double tranchant, et s'ils échouent sur les circuits, il ne va pas être facile de se cacher. L'autre question qui se pose en ce moment est de savoir laquelle de ces écuries aura réussi à trouver le petit truc qui leur permettra de prendre le dessus sur leurs rivaux cette année. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de cette saison. Mais pour l'instant, c'est tout pour nous. À bientôt! Check your MFD for a new strategy option. Green flag. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Go, go, go! VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Only one stop to go, one stop left in this strategy. Nice move. Good job. Release, release.
case, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. There's four laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. There's only one lap of fuel remaining. Okay, pick up rubber and bring it home. C'è area di festa al box oggi, dopo una fantastica vittoria qui a Sakhir. Ovviamente un grande applauso va fatto a tutti i membri della scuderia. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza sbavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto.